Moi, j'ai trouvé un match contre le même gars que tout à l'heure. Je vais sûrement l'éclater, ce qui est un peu dommage pour lui, le pauvre. Bon, tant pis, faut bien. Ah, et après, je monte de rang. D'accord, donc je serai plus Saibaman. Parfait, bah je vais pouvoir tenter ça. Ah oui, lui il a fait 6 combats, 2 victoires, moi j'en suis à 9 et 6 victoires. Et un abonné, incroyable, je pense que ça doit être Zarknose. Ça change de la chaîne YouTube en tout cas. Allez, peut-être que ça va commencer un jour. Bon, par contre, ouais, on a vu la cinématique tout à l'heure, du coup, nous deux. Donc là, je te laisse un peu moins de temps. Oh, mais décidément. Décidément, j'y arrive pas. Faut vraiment que j'arrive à me refaire au jeu. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas touché. Non, ça c'était pas ce que je voulais faire. Là, je vais me faire combo jusqu'à l'infini. J'aime pas être bloqué contre un mur. Et autant moi je m'en fous de bloquer mes adversaires contre un mur, mais j'ai l'impression que moi tous mes adversaires veulent me mettre contre un mur. Voilà, moi je préfère avoir un petit combat comme ça. Vous inquiétez pas, je vais sortir le Yamcha. Déjà, je vais sortir Cell, mais pas le. Enfin, je vais pas le sortir de mon côté, je vais vraiment le dégager. C'est pas ce que je voulais faire. J'essaie de retrouver les techniques de hit. Ok, je crois que c'est bon. Je me souviens plus des combos que je faisais avec lui. Mais ça devrait aller. Non, je confirme, je me souviens vraiment plus. Je sais plus comment on fait son attaque à distance. Je veux dire, l'attaque où il fout des coups de poing qui traversent les dimensions et tout. Enfin, j'ai oublié comment on fait. C'était pas comme ça. Ah oui, je sais, je m'en souviens, ça y est. Voilà, c'est comme ça. Il y a tout un combo avec celui-là, et je viens de m'en souvenir. Voilà, c'est celui-là. C'est ce combo. Ah, je l'aime bien. Bon, allez, c'est fini. Et avec un ulti. Non, j'aime bien ce combo. Ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti, ça fait plaisir de le ressortir. Tu as gagné une médaille, parfait. Et en plus, tu n'as aucune chance. Gohan qui dit ça. C'est quoi comme succès? Participer à 10 combats classés, c'est tout, c'est rien. C'est concrètement, c'est rien du tout. Et du coup, je passe, je suis terrien, je ne suis plus un simple Saibaman. Écoute, si tu veux faire une revanche, bon. Et j'irai chercher quelqu'un d'autre après. Autant lui laisser sa chance. Il s'en sort pas trop mal en vrai, il y a des bases qui sont pas là, mais. Avec un peu d'entraînement, ça devrait aller. Je parle pas de moi, hein, je parle bien de lui, je confirme. Bon, moi, il faudrait beaucoup d'entraînement, je pense. Hop. Par contre, j'aime bien Yamcha, voilà. Je tiens à le dire. Désolé pour les haters de Yamcha, mais moi, j'adore. Il est très rapide et donc c'est absolument justif. Le Sokeden est complètement abusé, par contre, j'avoue, je l'avoue. D'ailleurs, les haters de Kid Buu sont assez nombreux, ou est-ce que ça a disparu? Ce que je me demande, parce que je sais que quand le jeu est sorti, il y avait des haters de Kid Buu partout. Dont moi, je l'aimais pas tellement, mais après. Après, je me disais, c'est quand même. C'est pas comme League of Legends, quoi. Tu peux pas haïr un perso parce qu'il est plus fort que les autres. Là, c'est vraiment. Tout est équilibré, ou pas loin au moins. Puis tu vas pouvoir défoncer un Kid Buu si tu t'en sors assez bien. Voilà, je l'ai vu, la petite frame là qui a montré qu'il avait plus sa garde. Mais du coup, oui, il y a aussi des haters de Goku Blue, mais généralement. Alors, je suis peut-être un enculé. Mais généralement, les gens qui étaient des haters de Goku Blue quand le jeu venait à peine de sortir, c'est parce qu'ils savaient pas jouer à l'époque. C'est le nombre de gens, c'était assez drôle parce que quand t'as quelqu'un qui. Généralement, quand il y a un youtubeur par exemple qui le détestait. Et quand il postait des trucs, t'avais genre la moitié des commentaires c'était ah ouais, moi aussi je déteste. Et l'autre moitié c'était mais mec, apprends à jouer, c'est pas dur à contrer, hein, faut juste apprendre à le jouer. Enfin, à jouer contre, pardon. C'est tout le but du jeu, en fait. T'as pas de plainte contre un perso. Si t'as un perso que t'aimes pas, t'apprends à le contrer et tu l'encules. C'est pour ça que ce jeu est beau. N'est-ce pas, vous? N'est-ce pas que ce jeu est beau? Je suis en train de te violer. Voilà, je vais juste l'achever avec un outil, parce que c'est stylé.
Voilà, c'est terminé. Voilà, c'était ma petite. C'était un mini coup de gueule qui n'était pas un coup de gueule, mais moi je. Voilà. Allez! Le prochain, c'est parti. Je gagne plus beaucoup de points par contre en me battant contre lui, donc. Je changerais bien d'équipe. Après, si tu veux faire une revanche, bon. Non, 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 désolé, je vais pas t'humilier trois fois, c'est refusé. Je vais changer de team du coup. Parce que là, cette team est bien, je l'aime beaucoup, mais je vais un peu changer. Alors, oui, annulé. Est-ce que je vais prendre. Alors, non. Alors, je vais changer ma team. Voilà, modifier, sélectionner équipe. Je vais prendre. Alors, quelle team serait plutôt cool? Celle-là est pas dégueulasse. Ouais, après, je sais pas jouer. Je pense que je vais prendre celle-là. Bon, alors, c'est les persos un peu nuls. Enfin, un peu facile à jouer, Goku et Vegeta. Donc, ça va être reposant. Suite, ça va être très reposant. Mais bon, j'adore ce skin là de SSJ avec une aura. J'arrive vraiment à la voir. Bon, Bardock, j'aime bien aussi, mais j'ai pas le DLC. Ouh, déjà? Ah non, c'est encore le même. Bon, bah désolé, mais s'il y a que toi sur Terre, j'ai pas le choix. Je pense que tout le monde est plus haut maintenant dans le classement. Parce que j'ai trop attendu. À force de pas jouer pendant des mois, bah tout le monde est monté sauf moi. Après, je peux toujours monter, hein. Je vais essayer de monter au moins, genre. C'est quoi après Terrien? Ça doit être. Démon du froid peut-être. Enfin, je vais essayer de monter au moins démon du froid, voire Super Saiyan, et ensuite je devrais trouver déjà beaucoup de gens à démon du froid. On verra. Oui, mais tranquille, je vais monter, je vais y arriver. Et je sais pas depuis combien de temps je filme d'ailleurs, ça me fait penser. Mais tant pis, la vidéo fera 15 minutes ou 20 minutes. Enfin, 20 minutes c'est censé être le temps normal pour ceux qui viennent à peine de commencer la chaîne. De commencer à regarder, c'est plus logique. Concrètement, ouais, c'est. Normalement 20 minutes une vidéo. Après sur Fighter c'est un peu différent. Voilà, bon tout de suite vous voyez que je maîtrise un petit peu Goku parce qu'il n'est pas très compliqué à maîtriser. J'aime bien. Enfin, je sais pas pourquoi. J'aime bien le gameplay simple. Voilà, donc j'aime bien les... Enfin, en fait ouais, je pense que je sais pourquoi j'aime Goku, c'est que je kiffe son attaque avec les coups de pied. Oh. Je vais peut-être aller t'entraîner dans le mode histoire avant de. Ou dans le mode arcade. C'est comme ça que je me suis entraîné moi. Clairement, ça va permettre d'avoir les bases et s'entraîner sur des ennemis pas très très durs à tuer. Et après, bon, je me suis aussi entraîné un peu contre Zarathnos. Parce que c'est bien d'apprendre les bases. Oula. C'est bien d'apprendre les bases en tuant des ennemis faibles comme les IA. Bon, en arcade, ils sont pas faibles, ils font des dégâts abusés. C'est pas de la vraie difficulté quoi. Enfin, c'est juste augmenter les dégâts et les points de vie, c'est pas. C'est pas comme si l'IA était vraiment skillé. Ah non, je voulais faire mon ulti. Il aurait été en plein dedans. Bah là, il est en plein dedans. Et du coup, voilà. Oui, après, vous pouvez toujours s'entraîner peut-être contre un pote ou je sais pas. Contre un pote, je trouve que c'est bien. C'est un peu comme être, comme avoir un rival, quoi. Genre, tu veux devenir plus fort que lui, donc. Oula, ce Vegeta a une couleur dégueulasse. Vu que tu veux devenir plus fort que lui, tu vas être obligé de t'améliorer. Puis, vous pouvez toujours vous conseiller entre vous, genre, ouais. Tel move, tu le fais à chaque fois, c'est mauvais. Par exemple, j'arrête pas de dire à Zarathnos que me foncer dessus, c'est pas très utile parce que quand on me fonce dessus, voilà, comme ce que je viens de faire là, le Dragon Rush, je crois que ça s'appelle, bah je mets tout le temps les gens en l'air. Je fais hop, petit coup de pied, t'es en l'air et t'es fini concrètement. Blam, allez, je maîtrise pas tellement bien Vegeta. En plus, il est tellement moche, c'est quoi cette tenue? Faut absolument que je change mes tenues. Je suis ok pour une revanche, mais. Est-ce que tu veux vraiment faire une revanche? Non, il veut pas. Il a plus envie. Et je le comprends. Ça me saoulerait aussi de me faire défoncer par la même personne tout le temps. Bon, du coup, je vais changer mes tenues. Même mon équipe en général. Hop. Tac. Moi, je veux un Goku. Voilà, tenue 12. Yamcha, tenue 11. Et après, je vais prendre. Hit, il est cool. J'aime bien celle, ça fait très longtemps que je l'ai pas joué. Donc je vais jouer celle. Et. Celle noire, exotique. Celle exotique. Et je vais jouer au seul game, voilà, parce qu'il y a quand même un peu de respect à avoir. Avec la musique de. Je vais dire de celle, logique. Ça devient la team celle en fait. Alors, Tenshinhan, j'aime bien. Allez. Sauvegarde des changements. Est-ce que je l'ai sélectionné? Oui, je l'ai.
et participer à un combat classé. Voilà, j'espère que je tomberai pas sur la même personne. Parce que là, je monte de plus en plus dans le classement et je tombe toujours sur le même. Le pauvre, il monte pas. En fait, il tombe toujours sur moi. Il fait, mais c'est nul. C'est chiant. Oh non, on me dit pas que c'est lui par contre. Ah non, c'est pas lui. Il a une bonne call, lui, c'est cool. Les joies de la fibre. Moi, je l'ai pas, mais lui, peut-être. Ou alors, il habite à côté de chez moi. Bon, accepte, s'il te plaît. Oh, merci. Il m'a fait peur. Oh, une team intéressante. C'est une team que j'aime bien jouer aussi, ce qu'il a. Comme ça. Il est un peu au-dessus de moi. Il est imbattable, apparemment. 33 combats. Eh ben, il en a fait beaucoup plus. C'est un terrien, lui aussi. Ah, ouais, mais 33 combats pour 12 victoires. C'est un tiers de victoire. Alors que moi, je suis à 2. Non, je suis à 3 quarts de victoire. Voilà, faites des maths basiques, vous savez que je suis au-dessus. Enfin, mais après, il fait plus de combats. Il est peut-être plus expérimenté. Voilà, bon. Ça marchera pas en boucle, hein. Bon. Oh là, pourquoi j'ai fait un pas? Je pensais pouvoir reculasser avec un pas. Ok, c'est bon. J'ai réussi à placer mon premier coup. Ok, je vois comment tu joues. Je vois, je vois. Il joue très défensif. C'est une méthode qui est pas mal en vrai de combat. Voilà. Faut juste apprendre à jouer contre. Je pense avoir compris comment le vaincre. Il faut attaquer très vite sans qu'il ait le temps de se remettre en position de défense. Et c'est fini pour lui. Oh là là, oh cette réception, Zokidan. Parfait. Voilà, c'était le petit claquement de doigts du respect. Ok, la protection. Oh, ça je l'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Oh, et là on sort le seul. Ah oui, bah là il est salé en tout cas. Voilà, désolé pour la blague. Il le méritait. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai été trop greedy. J'ai un peu trop pris la confiance. J'avais oublié qu'on pouvait faire ça. Bon, écoute, ça marchera pas 50 fois. Hein. Ça ne passe pas. Vas-y. Oh, d'accord, donc Goku est pas assez rapide à ce que je vois par rapport à Hit. Ok. Ah oui, ça peut casser la garde. Ça va être très utile. Il maîtrise bien son hit à ce que je vois. Enfin, il maîtrise bien. Il y a quand même un petit peu de maîtrise. Bon, ça c'était con. Ça c'était. C'était pas le meilleur move que j'ai vu de ma vie. Je l'avoue. Parfait. Goku qui fait le jeu. Goku Blue. Il est un peu. Bon, vert, j'aime pas le vert. Mais. Peut-être que les gens qui aiment le vert trouvent ça très beau, mais moi j'aime pas. Je trouve ça un peu. Ce bleu et ce vert. Oh! Je te voyais venir! Je le savais! Mudada, Yamcha Sama. C'est Yamcha Sama qui le défonce, plutôt Mudada Yamcha Sama. Bref, on s'en bat les couilles! Clairement, c'est terminé. Et une médaille. J'ai perdu personne. J'étais pas trop confiant, j'étais en mode. Ça va sûrement être compliqué, il joue défensif. Et... Oh, il a pas eu envie. Il a pas envie de jouer contre moi. Je me suis dit, je joue très défensif. Il va peut-être me faire des gros dégâts si je joue trop greedy. Non, en fait, c'est passé. C'est passé parce que sa technique de défense, il l'a un peu lâché en plein milieu du combat. Donc, ça allait sans problème. Ok, je pense qu'un dernier combat et ça sera bon. Parce que j'ai dû prendre. Voilà, ça fait à peu près 10 minutes que je fais des combats. Un peu plus même. Peut-être 10-12 minutes que je fais des combats. Et mon intro a dû durer 2 minutes. Donc là, avec un dernier combat, je pense qu'on sera à 15 minutes ou plus. Ce qui est déjà plus. Pardon. Excusez-moi, c'est juste que j'ai. Voilà. Il y a des moments où je perds mon cerveau. Souvent. C'est malheureux. Bref. Du coup, je pense qu'on sera à 15 minutes. C'est bien pour Fighters. Et pourquoi il a un petit hit? Ah oui, c'est qu'on peut choisir un maître. Enfin, pas un maître. On peut. Attends, allez, ça fait quoi déjà de choisir un maître? Je sais plus du tout. Mais je le ferai s'il faut. Oh, stylé son. Son petit. Ouh, ange d'ivoire. Oh là là, il stylé sa bannière. Il a beaucoup de points par contre. C'est un Saiyan. Ouais, il est vénère. Lui par contre, 88 combats et 29 victoires. Il n'y a pas beaucoup de victoires par rapport à son nombre de combats total. Cependant, il a fait beaucoup de combats. Donc il doit être très expérimenté. 88 combats, c'est quand même énorme. Enfin, énorme pour un début. Je sais qu'il y en a qui ont déjà dû en faire plus de 1000.
Mais eux maintenant c'est des pro players. Je parle bien à toi là qui regarde la vidéo qui a fait plus de 1000 combats. Oh, toi aussi tu te défends, hein. Malheureusement la technique de défense ne marche plus contre moi. J'ai commencé à apprendre comment la contrer. Le truc c'est que contre quelqu'un qui défend, faut tout le temps être plus patient que lui, j'ai l'impression. Genre si on commence à se défendre aussi, il va se dire bon bah j'attaque. Voilà, regardez. Là voilà, là il se dit bon bah j'attaque parce que lui aussi il se défend, sinon il va rien se passer du combat. Et c'est une erreur de sa part parce qu'en vrai sinon j'aurais commencé à attaquer. Oh, j'avais oublié ses triples coups de pied. Non. Voilà, je l'avais vu. Faut se débarrasser de son Goku Blue, parce qu'il le connaît. Il connaît le perso. C'est un problème. Oh, bien joué ça. C'était un bel essai. Et non. Et non, par contre, c'est moi qui fais ça. J'adore ces coups de pied là, en mode le tourbillon. C'est le Tatsumaki Senpu. Senpu Kyaku d'ailleurs, je crois. Si je me trompe pas, pour le nom correct. Le nom correct. Excusez-moi, j'ai juste joué à Street Fighter 4 quand j'étais petit, je suis pas à ce niveau encore de tout connaître. Les fans de Street Fighter qui ont eu mal sûrement. Et je comprends. Là j'ai eu un moment de je me concentre. Ouh. Il y a beaucoup de ki, faut que je fasse extrêmement attention. Parce que là il va être comme lancer un ulti, c'est pour ça qu'il a switch à Goku Blue. Parce qu'il va me lancer un ulti à 5. Je suis pratiquement sûr. Oh non. Je vais charger un peu mon ki pour faire une double attaque. Oh non, j'ai raté. Oh, j'ai raté deux fois le Sokidan, donc j'ai perdu deux barres de ki comme un con. Non. Pas cette fois. Désolé, mais ton Gohan est mort. Oh, il n'est pas mort. C'était une blague. Yamcha OP. J'adore ce perso. Peut-être parce qu'il est fort, justement. Oh oh oh. Trop tôt. Trop tard, pardon. C'est vrai qu'on peut faire ça. Je suis en train de reapprendre le jeu. Ah, il le place. Je le voyais venir, mais j'ai pas fait attention. Putain, donc je pourrais pas mettre mon ulti à moi. Et voilà, il met le 5. Moi, ça fait 5 barres de ki en moins pour m'enlever un perso. Bon, ça va encore. Il m'en reste 2. Il me reste mes meilleurs. Enfin, celle je ne maîtrise pas plus que ça, mais c'est les meilleurs. Je t'ai vu venir. Je t'ai vu venir. Je voyais que tu ne pouvais pas attendre. Oh non. Ça va être un problème. J'ai sûrement perdu mon Yamcha, là. J'ai même sûrement perdu le match tout entier. C'est pas ce que je voulais faire. Oh là là, oh là là, ça tourne mal. Il prend la confiance. Tu prends trop la confiance. Je voulais venir, j'attendais ce moment. Il est trop pris la confiance. Ok, par contre, moi, faut pas que je la prenne là. Parce que ça va être extrêmement, extrêmement close. Ok, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Ok, il me reste plus que celle. Ouf, ça va être close. Je commence un peu à avoir mon cœur qui bat fort là. C'est fini. Oh là. Oh, c'était close. Il était chaud ce match. Okay, pas de revanche par contre, je suis désolé. 6000 points, ça m'en fait beaucoup. Désolé, pas de revanche parce que moi j'arrête ma vidéo ici, sinon j'en aurais sûrement fait une parce que c'était tellement close, je suis sûr qu'il pourrait me battre à la prochaine. C'est un peu dommage du coup de rester un adversaire comme ça, mais tant pis. Du coup je vois, donc lui c'est quelqu'un qui avait l'air de quand même, enfin vu qu'il avait pas mal de défaites, il avait l'air de pas trop s'en sortir à son grade. Et pourtant il m'a défoncé. Ça veut dire que déjà au grade Saiyan il commence à être un peu plus vénère, il commence à être un peu au-dessus. Ah, il va sûrement me défoncer au grade Saiyan. Mais c'est mon objectif quand même. Et du coup, voilà, je sais pas quand j'en referai. Mais quand je referai du Fighters, je peux vous garantir qu'on va monter en grade. Ah, ça va monter.
Et voilà, du coup, bref, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ah, le pouce bleu, qu'est-ce qu'on l'aime. Et à vous abonner si vous voulez plus de fighters. Et surtout, si vous voulez que je monte en grade, ça me donne de la puissance avec le Genkidama et tout ça. Peut-être que j'essaie de vous arnaquer pour que vous vous abonniez. Peut-être. Allez, bon, à plus. Zou, j'arrête de dire de la merde. Pour cette vidéo, du moins. Allez, zou.